Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver et nous sommes mardi 22. J'espère que vous avez commencé une bonne matinée et que tout se passe bien pour vous. Ici, de mon côté, tout va bien. Donc, je suis devant le magasin Action. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a en nouveauté ou en arrivage pour ce mardi. Regardez ici, à Gap, il fait pas du tout beau. C'est couvert. Il est un peu plus ce matin très tôt, mais sinon, j'espère que ça va se lever. Allez, on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Alors je vais commencer dans le rayon déco et regardez, c'est magnifique. Alors ils appellent ça des tableaux étagères. Alors ça c'est une petite nouveauté. Présenté comme ceci, regardez. Présentez, vous mettez vos bougies ou même dans la salle des bains, vous utilisez comme support pour mettre vos parfums ou tous vos produits. Voilà, il est présenté comme ceci. Je vais le mettre vers le bas comme ça vous le voyez un petit peu mieux. Voilà. Il existe en noir aussi, donc ça c'est vraiment une petite nouveauté. Comme je disais, il est en noir ici, donc il est sur 4 petits pieds, donc il est en métal. Il fait 20 sur 11 sur 34, il est à 4,62€, donc il y a deux étagères. Juste à côté, on a ces mini globes que je vous avais déjà montré aussi sur socle en bois. Donc elles font 9 sur 6,5 sur 12 à 3,99€. Sinon on a les grands, celui-ci il est magnifique. Il y a celui-ci là-bas derrière aussi. Donc sur le. Donc c'est un pivotant et le socle il est en bois aussi. Donc le bois il est assez différent au niveau de la couleur. Il fait 23,5 sur 21,5 sur 33 et le globe est à 11,95€. Alors juste à côté on a ici ces lanternes en rotin et en métal avec la petite poignée. Et elle fait 16,5 sur 21 et elle est à 3,95€. Donc là il reste plus que la noire. Alors juste là, je continue ici avec ces supports pour mur en bois, c'est du bois flottant. Donc style un peu plage, ça. Donc il y a plusieurs variantes. Et ils font 20 sur 45, ils sont à 1,99€. Donc c'est le retour de ces fameux tabourets en teck fait main. Donc en bois, un bois très très lourd, bois naturel, il fait 30 sur 42,2 et il est à 19,95€. Juste à côté on a aussi les paniers pour ranger tout ce qui est plaid, ou même faire présenter comme ceci, mettre une plante grasse dessus, puis le plaid à l'intérieur. Ils sont vendus avec leur couvercle qui est en bois. Donc c'est du métal, il fait 38 sur 40, coloris différents, donc noir ou blanc, et ils sont à 9,79€. Ça s'appelle des paniers en fil. On a aussi le retour de ces lanternes aussi en bois, donc avec le cadre. Donc elle est en verre, la lanterne, et tout le cadre est en bois. Elle existe en bois naturel comme ceci ou en blanc, de diamètre 19 sur une hauteur de 27,5 et ils sont à 4,99€. Alors côté cuisine, on a le retour aussi de ces bouteilles, je vous les avais déjà montrées, mais il faut les remontrer. Voilà, donc bouchon ou en bois ou en inox normal, ça fait un peu effet marbre ou effet bleu. Elle fait donc 1 litre et elle est à 1,69€. Il y a aussi ces verres, donc ces verres de gamme Alpina, c'est du cristal, 99 centimes l'unité. Alors on a aussi des petits verres, donc les martinis, des verres à cocktail. Donc ils sont vendus par deux, deux, comme ceci. Ils ont une contenance de 23 centilitres et ils sont à 2,79€. Alors petite nouveauté que j'avais pas vue. Alors, je pense que c'est une petite nouveauté, c'est des verres à eau vendus par 3 avec des petits reliefs, des petits textes à l'intérieur, regardez. Ils sont super chouettes, ils font 25 centilitres. Ils sont à 1,62€. Vous voyez un petit peu l'écriture. De la gamme Elin aussi, on a ces mugs à café qui sont très 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 beaux. Donc cette couleur, moi j'adore cette couleur là. Donc ils sont en faïence, ils font 200 ml, ils sont à 1,36€. Au niveau des mugs imprimés tropical, il y a aussi ceux-là qui sont très très beaux. Dont cet imprimé, celui-là qui est très beau aussi. Et ils font 99 centimes. Et au niveau de la contenance, ils font 320 ml. Alors là, je suis passée rayon tout ce qui est plastique. On a aussi le retour de ces boîtes, vendues aussi à chaque fois, trois couleurs différentes. C'est cela. Ça, c'est des bacs où on peut mettre tous ces produits sous l'évier.
Donc ils existent en blanc, en noir et ainsi qu'en transparent. Ils font une contenance de 11 litres. Ils font 33 sur 17 sur 24,5. Ils sont à 2,49 €. Alors au niveau des packs de rangement aussi à frigo, regardez, ils font leur sacré retour là pour cet été. On a des bacs ceux-là carrés, donc transparents. Ceux-là ils font 30 sur 10 sur 10. Non, c'est pas du tout. Alors, 30 sur 10 sur 10, c'est ceux-là. Ceux-là ils sont à 1,62 €. Ceux-là je crois qu'ils doivent être à 1,99 €, mais j'ai pas de prix. En dimension, ils font 20,6 sur 20,6 sur 14. Hein. Ça peut être un bac de légumes ou peu importe. Hein. Donc ceux-là, comme je disais, ils sont à 1,62, ils font 30 sur 10 sur 10. On a ceux-là les plus grands, ceux des canettes. Hein, à canette, 1,88 € qui font 34,5 sur 13,5 sur 10. On a aussi ceux-là, les plus grands, ceux-là. Donc ceux-là, ils font 2,29 €, ils font 32 sur 21 sur 9. Voilà, si vous voulez réorganiser votre frigo, il y a pas mal de petits rangements très, à un prix très attractif. On a aussi ces boîtes de rangement aussi de conservation par 5, hein, deux couleurs différentes, soit bleu comme ceci ou un bleu très clair, plutôt vert on va dire, sont vendus par 5, c'est en plastique et ils font 2,28 €. Il y a 5 pièces. On a aussi ces petites bouteilles, ces petites gourdes dans une eau de protection pour éviter qu'elles se cassent. Donc le petit bouchon est en métal. Je trouve qu'elle est en verre, elle est pas en... Elle est en... Non, pardon, elle est en verre. Justement, c'est pourquoi je disais que le plastique, pour éviter que le plastique se casse. La housse de protection est là pour protéger, éviter que ça se casse, parce que c'est du verre. Voilà, on a différents coloris au niveau de la protection. Hein. Elle fait 400 ml avec des imprimés très très jolis. Et elle fait 99 centimes. Alors là, je suis passée dans tout ce qui est rayons élastiques, barrettes, etc. Et regardez ces petites nouveautés aussi. Alors, c'est des pinces avec des petits nœuds. On a celle-ci. Il y a celle-ci aussi. Regardez, elles sont magnifiques, ces roses. Il y a celle-ci. Elles sont trop belles. Et bleu et blanc. Elles sont trop belles. Et elles font. Donc, 99 centimes. Aussi, ces élastiques. Alors, cela, c'est pas une nouveauté. Hein. Je vous avais déjà montré. C'est des élastiques à cheveux. Tressés, vendus par 4. Hein. Ils sont très beaux aussi. Donc. Des couleurs différentes. Le tressage est le même, c'est des couleurs différentes. Comme ceci. Ils font 99 centimes. Alors là, je suis rentrée dans le rayon tout ce qui hygiène et beauté. Et regardez ces magnifiques masques. Hein. C'est une petite nouveauté aussi. Cela, c'est des masques selfie. Donc cela, c'est selfie masque en tissu pour nettoyage en profondeur aux extraits de feuilles de périlla. Et on a celui-ci. Le packaging est super beau. Il est super beau. Masque à tissu pour hydrater aux extraits de concombre. Et ceux-là, ils sont à 75 centimes. Ils sont très très beaux. On a aussi ceux-là aussi, vendus par 3 aussi. Dès qu'au contact de la peau, ils commencent à mousser. Et ils sont à 1,19 €. On a aussi les masques tissus comme celui-ci. Donc là, on a cactus. Et là, on a dromadaire. Ou lama, pardon. Lama. Alors, ceux-là, je vous avais déjà montré aussi aux extraits de concombre, celui-ci. Pour celui-ci. Et celui-ci. La créature est tellement purifiée au corps à saleté. Donc, ça, c'est un masque à l'extrait de feuilles de périlla aussi. Et ils sont à 75 centimes. On a aussi ceux-là, les masques du docteur Dre. Dre, je crois, Dre. Et ces masques visage aussi, au tissu de collagène aussi, à 99 centimes. Alors, au niveau make-up, hein, on a ces embruns paupières. Hein. Donc, on a la Meat Crunch et on a la Pink Crush. Elles sont à 1,95 € et il y a la couleur. Alors, un petit tour dans leur rayon bureautique. Et regardez, bon, c'est pas une nouveauté, ces boîtes de rangement que je vous montre assez souvent. C'est des boîtes d'archivage, mais c'est juste que je voulais montrer les motifs qu'il y a. Ils sont très jolis. La boîte, celle-ci, elle est très très belle. Avec des feuilles, un feuillage doré. Celle-ci aussi, une boîte rouge avec des taches dorées aussi. Elles sont magnifiques. Elles font 2,29 € et elles font 35 sur 24,5 sur 8,5. Elles sont très jolies. Alors par contre, à l'arrière, il y en a aussi d'autres. Hein, imprimés, tachetés comme c'est noir, doré. Sur une boîte noire avec des taches dorées. Ils sont très jolis. Hein. Alors juste dans les stylos aussi, on a ce stylo feutre à billes. Donc en métal, incluant les cartouches aussi dedans.
Et il fait 1,39€ le stylo. Ça fait stylo feutre hein, à la fois. Juste à côté, on a le stylo encre de la gamme Paper Matte hein, avec les recharges aussi. 1,99€ pour le stylo encre, celui-ci. Côté rayon loisirs créatifs, on a le retour de ces autocollants alphabet holographiques. Regardez, ils sont magnifiques. Hein. Ils sont très très bons. Oh, le rose, il est magnifique. J'adore. Ils sont très très belles les lettres. Donc, il y a eu 97 pièces. Elles sont à 99 centimes. Elles sont très jolies. Alors, je continue dans le rayon loisirs créatifs. On a aussi ces feutres pour tableaux noirs. Alors, si vous avez des petits tableaux noirs hein, pour les enfants, donc on a ces feutres pour adaptables au tableau noir. Donc, les différentes couleurs. Hein. Ils sont vendus par 4 et ils sont à 99 centimes. Juste au-dessus ici, on a les twin markers. C'est les mini twin markers dans une boîte. Hein. Il y en a 18. Hein. Ouais, ils sont à 1,99€. Je continue juste ici à côté. On a aussi ces petits tubes. Regardez, les petits rubans. Ils sont très jolis. Alors c'est pas du ruban, c'est des wash tap. Hein. C'est des wash tap avec feuilles. Il y a 10 pièces à l'intérieur de 3 mètres et après différents motifs à chaque fois. Ils sont super chouettes. Hein. Et ils font 1,98€. Hein. Alors là, juste là, on a un kit aussi. Ça c'est un kit complet. Alors c'est un kit de 7 d'aquarelle contenu. Donc il y a 5 brushes pen, un pinceau avec réservoir d'eau, un feutre fin, un crayon à papier, une gomme et le manuel d'utilisation. Et l'ensemble, donc le kit est à 1,99€. Alors juste là on a aussi les encres pailletées. Regardez. Alors il y a celui-ci aussi. Je vais les remettre en place. Hein. Oups. Ceux-là. On voit très mal. Hein. On a la couleur verte aussi. On a la couleur rouge et rose. Et ils font 99 centimes. Donc avec les pipettes. Hein. Encre paillette de pièces de 25 ml avec paillette 99 centimes. Alors juste à côté, on a aussi les blocs d'aquarelle. Hein. Format A4 et à 20 feuilles de papier noir. Ceci. Donc il y a 20 feuilles. Format A4, comme je vous disais. J'ai des blocs et ils font 1,79€. Voilà, voilà, ma petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire tous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Bye bye sur ma chaîne. Gros bisous.